Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Joxbox TV. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous montrer comment se mettre sur le, on va dire, le transporteur de conteneurs qui se trouve au milieu de dock. Donc le dock, bien sûr, c'est ici. Il y a un transporteur de palettes qui est rond, que vous pouvez voir juste avant le cargo. Donc c'est vrai que c'est un avantage d'être au-dessus, soit pour les snipers ou pour les gens qui prennent de la hauteur, c'est pas mal utile. Des fois le top 1 il finit dans cette zone, donc c'est vrai que c'est très utile. Alors quand on est en bas, on peut atterrir au dessus dès le début, mais il n'y a pas d'armes. Par contre quand on est en bas et qu'on veut monter dessus, alors on essaye par ici, et quand on arrive ici, et ben on glisse et on tombe. Bon là je vais pas le faire parce que sinon je vais mourir. J'ai lancé portail personnalisé, mais bon quand même je peux subir les dégâts. Donc c'est impossible. Je vais vous montrer une technique pour monter dessus. Ça peut vous être utile. Alors, pas sur le l'espèce de grue là-bas, mais sur cette grue ici. Vous allez monter les escaliers. Ensuite, ceci. Voilà, on y est. Alors soit vous voulez être prudent, vous sautez là-dessus et vous sautez comme ça. Je vais vous montrer. Ou alors vous pouvez le faire aussi de la rampe d'escalier, de la rampe qui est tout autour. Mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, vous risquez de louper peut-être votre saut. Bon là c'est assez simple, hein. Vous courez, vous sautez en appuyant sur X et voilà, vous atterrissez en face. Voilà, et là on y est. Et voilà, là il y a de la hauteur. J'ai essayé d'aller en dessous, j'ai pas réussi. En fait, c'est comme si il y avait une barrière et ça nous faisait remonter au-dessus si on essaye de monter en dessous. Après, c'est très utile, hein, regardez quand même cette hauteur qu'on a. Les ennemis, je pense pas qu'ils vont penser qu'on est tout en haut. Ça peut être utile. Après, pour se cacher, c'est vrai que c'est plus difficile. On a des petits points comme ça, mais c'est pas non plus le top pour se cacher. Et après vous pouvez aussi aller au centre. Voilà, ça fait quand même quelques jours que je vous avais pas fait une vidéo. Voilà, là je vous en fais une. Je vais bientôt changer de PC aussi. Donc j'espère pouvoir en faire une assez rapidement. Mais voilà, ça c'est ça peut vous être utile. Donc si ça vous a plu cette petite astuce, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire et à vous abonner. Et on se retrouve sur le jeu.